Salut tout le monde. Voilà, j'étais en train de continuer mes tests sur l'Atari 520ST. Et puis il y a un jeu que j'étais en train de tester qui s'est lancé. Et je me suis dit, celui-là, quand même, il faut que je fasse une petite vidéo vite fait. Parce que voilà, franchement, c'est un jeu, si vous avez eu un Atari 520ST, il vous a forcément marqué. Donc j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. On va le lancer. Et vous allez vite voir de quoi je parle. Parce que là, je me suis dit quand même, ce jeu-là, c'est un jeu, moi, j'y ai joué mais des heures et des heures. Voilà, parce que d'abord, je le trouvais super bien. Et en plus, il était super beau. Vous allez le reconnaître. Rapidement, pour ceux qui ont eu l'Atari 520ST, obligé, vous y avez joué. Ou alors, je vous parle plus. Bon, je déconne. Mais non, c'était un jeu vraiment qui. Mais quand on mettait plein la vue, parce que c'était un jeu en 3D. Enfin, sorte de 3D. Mais à l'époque, voilà, vous l'avez reconnu, Stunt Car Racer, à ce jeu. J'y jouais des heures et des heures. Et d'ailleurs, on pouvait jouer à deux. Et j'ai un pote qui venait à la maison avec son Atari 520ST. On faisait une sorte de réseau local en fait. On jouait d'ailleurs aussi à Falcon et ouais, les jeux d'avion, comment ça s'appelait? Il y avait Falcon et F-16, F-16 Combat, je crois, un truc dans le genre. Et on faisait des combats, des combats d'avion. Attendez, je vais virer ça. Voilà. Vous voyez, il y avait un multiplayer, Computer Link. Voilà, on liait les deux PC et on pouvait jouer à deux. Alors ça, c'était carrément génial. On faisait des courses. Alors, on va faire ça bien. C'est juste pour vous montrer vite fait, mais bon, bien sûr, celui-là, il sera dans la wheel. Il passe, je suis trop content parce que il y en a qui passent pas et je suis un peu déçu pour certains jeux. Bon, après, on les a sur l'Amiga encore une fois, mais voilà. Alors là, au début, voilà, ce que j'ai l'impression que je peux pas choisir, c'est normal. Voilà, on me parle des divisions. Voilà, et on va faire du practice et puis on va choisir une course dans la première division. Et on va prendre la drawbridge. Voilà, attention, souvenir, souvenir. Voilà, on pouvait de mémoire faire tourner le. Voilà, on pouvait faire tourner le circuit pour bien l'analyser. Alors, ok, voilà, là il faut sauter, là ceci. Voilà, allez, c'est parti. Ah, le bruit du moteur. Mais c'était en 3D, hein, vraiment. Moi, j'avais appelé mon père là, quand j'avais le jeu là. Regarde, mais regarde ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Ce jeu était génial. L'impression de vitesse, c'est pas mal. Le bruit. On pouvait déclencher un turbo. Ah j'ai été un peu trop vite. Ah, je me suis bloqué. Ah oui, j'ai mis le turbo trop tôt. Que le temps remonte, mais je sais plus comment. C'est pas grave, on va recommencer. En plus, tout à l'heure, j'ai joué, mais j'ai vu si ça marche, j'ai joué bien. Voilà, et là, je fais n'importe quoi. On recommence. Alors, on va prendre celui-là. Ah, ouais, alors celui-là. Allez, c'est parti. Bien négocier le virage.
Alors, il fallait pas aller trop vite, sinon on sautait trop, on se bloquait. Ah, c'est chaud. C'est parti. Et je me vautre lamentablement. Allez, 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 allez. Voilà, ce jeu était juste super. Restez concentré quand même. On va retenter le saut de la mort qui tue. Sans soulever. On va essayer. Voilà, si je reste bien droit. Yes. Par contre, j'ai un petit côté. Comment on est passé? Hop là. Bon, enfin voilà, donc c'était juste pour... attendez, je vais sortir déjà du... Voilà, c'était juste une petite vidéo vite fait bien fait, mais ça rappelle vraiment trop de bons souvenirs. Donc voilà, donc bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, ce jeu sera bien présent sur la Wii, l'Atari 520ST. Je continue toujours mes petits tests et je vous prépare ça dès que je peux. Allez, merci à tous, bonne soirée et je me suis pas en face. Et à bientôt, ciao tout le monde. Toujours pareil, c'est long. Hein.